Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour regarder un petit peu ce qui nous attend au niveau de cette semaine qui arrive à grands pas. Donc j'ai eu du retard justement dans les vidéos, comme vous avez pu le voir. Tout ça se sera remis en équilibre en temps voulu, d'accord? Parce que je vais pas non plus stresser pour descendre les énergies, parce que vous le savez, j'ai aussi beaucoup de choses à faire en lien avec la chaîne, notamment les consultations, les soins. Donc j'essaie vraiment de faire au maximum, mais vous inquiétez pas, le retard sera rattrapé. Alors, sans plus attendre, pour lundi, énergie de lundi. Alors, on va me demander quel est ce jeu de cartes, je vais vous le montrer. Pour lundi, on vous parle quand même d'une opportunité ici, de choses qui s'arrangent, mais on vous dit quand même de rester vigilant. Au niveau du jeu, c'est celui-ci. Voilà. Alors, pour lundi, plus d'explications. Il y a des tiraillements aussi pour lundi, c'est ce que je ressens. On est hésitant, hein. On est hésitant. S'il y a besoin, je vais recouvrir après. Alors. Peut-être une hésitation, peut-être en lien avec un homme ici, quelqu'un qui vient à grands pas. Hein. Il y a eu beaucoup de cartes. Peut-être quelque chose de nouveau ou en lien avec un enfant. On vous parle aussi notamment de solutions. Solutions. D'accord, donc il n'y a pas de hasard dans le positionnement des cartes. Il y a peut-être des solutions, des choses qui pourraient être éventuellement stabilisées en lien avec un accord ici. Donc ici, ça peut être vous, ici, votre état d'esprit, peut-être par rapport à un homme où c'est qu'il y a une certaine instabilité qui se fait ressentir, peut-être en lien avec un enfant aussi notamment. Mais dans ce que je vois ici, on nous parle bel et bien d'une signature, d'un compromis pour... Il y a comme la notion ici de rester quand même serein ou sereine. Hein. Je vais faire une coupe. Alors, au niveau de la coupe, on a quand même le soleil et la lenteur ici. Il y a quand même eu beaucoup de douleur dans ce que je vois. Ça prend quand même un certain temps. Ça prend un certain temps ici pour que les choses puissent rentrer un petit peu dans l'ordre. Alors, ouais. On vous parle vraiment d'effet cadeau ici, hein, aussi notamment. Ouais. On peut peut-être nous parler de fin d'hypocrisie pour certaines personnes. Pour d'autres, ici, on peut nous parler peut-être de quelque chose qui vient se mettre en avant ici, peut-être de nouvelles solutions. Peut-être qu'il y en a qui attendent des débouchés sur un contrat de travail. Ça peut être aussi en lien avec la santé. On vous dit qu'il y aura une accalmie ici. On me dit pour certaines personnes au niveau de la santé de faire attention au niveau des veines. Et il y aurait des problèmes de cet ordre-là. Hein. Ouais. Alors faites attention, s'il vous plaît. Donc voilà ce qu'on nous dit pour lundi, les amis. Alors, pour mardi, je vais changer. Je sais pas pourquoi ça me dit de changer. Pour mardi, énergie pour mardi, s'il vous plaît. Quelles seront les énergies pour le mardi? On a déjà eu une et les autres, elles sont tombées toutes seules. Alors, on nous parle d'une évolution concernant une nouvelle direction de chemin. On nous parle aussi d'embûches, aussi un petit peu des obstacles. Hein. Peut-être du retard aussi, je fais une coupe. Alors, peut-être des retards dans une opportunité de pouvoir s'ancrer, de pouvoir se stabiliser aussi. Hein. Il y a peut-être des choses aussi ici qui sont en mouvement et qui vous font très certainement douter. Ça rejoint aussi beaucoup lundi. Hein. Ouais, on nous parle notamment de stress. Mais c'est pas. Vous allez vous mettre un stress, mais on vous dit d'arrêter ici. C'est pas un bon stress. Hein. On vous dit vraiment de couper ici. Il y a un cadeau qui permet en fait. Il y a quelque chose qui vient se mettre en avant qui vous permet en fait de couper cet état de stress ici. De couper le conflit ici. On a de nouveau le 111. D'accord, que les anges sont bien auprès de vous. On nous parle d'une stabilité, hein, notamment. Hein. Donc, écoutez tout simplement votre cœur. Hein. C'est vraiment ce que l'on vous dit. Il y a une nouvelle direction qui vient pour vous. Ça peut vraiment toucher à tous les domaines. Peut-être une situation un petit peu conflictuelle à l'heure actuelle. Ou c'est que vous vous mettez peut-être aussi un petit peu trop la pression et on vous demande un petit peu de calmer, de laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme pour pouvoir profiter un petit peu de ces énergies. C'est un peu ça ici, hein, ce qu'on vous dit. Je rechange. On fait aller l'instinct pour mercredi. Alors, les énergies
du mercredi. À quoi doit-on s'attendre? Il y en a déjà eu une pour mercredi. Celle-là, elle n'a pas voulu rentrer. Pour mercredi, les énergies du... Ah, ah, il y a déjà un accord, j'ai vu la carte. Alors, pour mercredi, le foyer. Ah. Ah, ah. Bien. Alors, ici, pour mercredi, on va nous parler aussi de développement personnel, hein, notamment aussi en lien avec la spiritualité. Il y a quelque chose ici qui va se mettre en place. Ça peut être pour certaines personnes. Alors, on va se calmer. Certaines personnes vont développer certains dons, d'autres vont en prendre connaissance. Et pour les autres à qui ça ne parle pas dans le domaine spirituel, ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est qu'il y a des choses en lien avec le domaine familial, des choses un petit peu cachées, des choses qui vont être révélées. Il y aura peut-être aussi une prise de contact, peut-être en lien avec la famille, peut-être le fait aussi d'avoir envie de recevoir. En tout cas, il y a une énergie qui va vraiment dans ce sens-là, hein. Peut-être une invitation, la notion aussi d'avoir envie de couper quelque chose. Pour d'autres, pour ceux qui seraient plus dans le conflit, on vous dit ici, c'est de couper des choses en lien qui auraient pu être proposées, hein, des choses en lien peut-être avec quelque chose d'un notaire ou dans cet ordre-là, vraiment des papiers assez fixes. Alors, pour jeudi, les énergies de jeudi, une. Pour jeudi, à quoi doivent-ils ou elles s'attendre? Pour jeudi, eh bien, il y en a eu plusieurs, c'est très bien. Alors, jeudi, évolution. Évolution pour les dames. Ici, on voit clair. Il y a de la clairvoyance ici dans ce que je vois. J'ai l'impression que dans ce qu'on me montre ici aussi, notamment, il y a eu des obstacles de surmonter, des obstacles de passer. Ouais. On vous dit que vous êtes en train d'avancer sereinement ici vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux. Ça prend du temps. On nous parle aussi de développer le chakra de la gorge. D'accord? Donc, il y a peut-être des rééquilibres aussi à faire. Ouais, il y a un travail en lien avec la stabilité, peut-être de retrouver ses repères, mais aussi au niveau du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, ça me parle assez fortement ici. Hein. Une petite coupe, on nous dit de prendre vraiment aussi du temps, de couper peut-être certaines choses. Il y a des accords en vue ici, il y a des choses qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui recommencent. Hein. Alors, ouais, on nous parle de signature ici. Il y a peut-être un petit retard, hein. Mais c'est pas grave, c'est un retard voulu ici, dans ce qu'on me montre. C'est un retard voulu, on nous parle aussi. Alors ici, bizarrement, moi je vois plutôt une récolte. Moi c'est ce que je vois. Je vois une récolte ici qui vient se mettre en place. Hein. Donc, tant mieux. Un petit retard, petit contretemps de rien du tout, j'ai envie de vous dire. Dans 2 jours, c'est rétabli au niveau du timing. Hein, pour que vous ayez un peu une idée. Alors, pour vendredi... Elles ont sauté tout de suite pour vendredi. Oh là, ça fait beaucoup. Pour vendredi, les énergies du vendredi, juste avant le week-end. Et une. Ok. Alors, vendredi. Des choses peut-être à signer ici, des compromis de trouver, une signature peut-être en lien avec le cœur ici, hein. Il y a des choses qui s'apaisent en lien avec le cœur. Vous allez faire quelque chose vraiment qui vous procure du plaisir. On va essayer d'en savoir un peu plus. Encore des obstacles et des retards. Alors, pour vendredi. Ouais. Peut-être en lien avec le travail. Peut-être il y a un travail aussi qui vous bloque. Ouais, parce que vous êtes trop dans le domaine de faire, hein, ici. Hein. Vous êtes toujours fidèle au poste. On vous demande un petit peu, c'est de vous foutre la paix, entre parenthèses, hein. Regardez, ce qui bloque ici, c'est ça, c'est vous, hein, le blocage. Vous êtes en train de vous surmener, donc on va vraiment vous demander, c'est de mettre un petit temps d'arrêt, hein. Ah ben, un petit, voilà, bon, on ne peut pas faire mieux. De mettre un petit temps d'arrêt, de prendre le temps de vous ressourcer, de vous reposer, d'accord? C'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y aura une nouvelle direction à suivre d'ici peu. Donc, on vous demande vraiment, c'est d'essayer d'économiser vos forces pour pouvoir passer la prochaine étape, en fait, qui va bientôt se manifester à vous. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles qui souhaitaient encore participer au tirage au sort, ici, que j'ai mis en place exprès pour Noël, vous faites un don de la valeur que vous avez envie. Il y aura parmi les personnes qui auront voulu participer, 3 personnes qui seront tirées au sort. Parmi les donataires, où c'est que je ferai une petite vidéo YouTube
Ben, tout simplement qui sera ciblé sur ces trois personnes-là. Donc, un petit tirage personnalisé. Donc voilà, si vous voulez participer, il n'est pas trop tard, vous pouvez le faire et utiliser le lien PayPal qui se trouvera en dessous de la vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.